الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى يدعو القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أكملوا الصلاة وأكملوا الزكاة. Ordonné aux Ibad, As-Salat et As-Zakat, l'une et l'autre, l'une comparée à l'autre. Ibad, très important, l'une et Ibad, très important, l'autre. Obligation, As-Salat et obligation, As-Zakat. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne ce qui est meilleur pour nous. Ibad, c'est ce qui est meilleur pour nous. As-salat, c'est ça qui va nous purifier. As-zakat, c'est ça qui va nous purifier nos biens et nos richesses. Le mot zakat, ça vient de zakayazku, au sens de ce qui est devenu pur et au sens de ce qui est abondant avec beaucoup de baraka, ça veut dire se multiplier. Lorsqu'on parle de az-zakat, on pense à ces deux significations en même temps. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. قَدْ أَفْلَحَ, il a réussi. En réalité, قَدْ أَفْلَحَ, c'est une réalité, il a réussi. مَنْ زَكَّاهَا, celui-là qui l'aura purifié. Quoi? L'âme, الروح, النفس, il a purifié son روح, il a nettoyé son âme. Ça veut dire, il a éliminé de son روح les mauvais penchants, il l'a éduqué de façon à obéir à Rabbul Alameen, à obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, purifier les âmes. Et comment purifier les âmes? Ce n'est pas des déclarations ou des slogans. C'est tout simplement en faisant les ibad, en faisant ce qui améliore la situation du insan, de son fond, de son phare intérieur et aussi dans ses pratiques. Parce que l'insan, il pratique zikrullah ta'ala. Parce que l'insan pratique les ibad. Parce que l'insan se purifie des péchés en faisant tawba. Et lorsque l'insan, en plus de cela, il fait istighfar lillahi ta'ala, il est en train de faire quoi? Il est en train de se débarrasser des péchés. Et il est en train de purifier son cœur et de purifier son amour. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. C'est avec les ibades. C'est un exercice que l'on fait au quotidien, tous les jours. Nous sommes face à des situations et tous les jours, nous devons choisir entre bien et mal. Et entre une bonne chose et une meilleure chose. Et celui-là qui est en train de choisir tout le temps parce qu'il est conscient de ce choix, toujours en train de choisir haq et non pas le faux, en train de choisir l'ibada plutôt que la paresse, en train de choisir la générosité plutôt que de se replier sur lui-même et d'oublier les autres, il est en train de purifier son âme. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne donc cette pureté, cette purification. Et le mot zakat nous rappelle ces deux sens, le sens de la pureté. Et il nous donne aussi le sens de la prospérité et l'abondance. Dans la langue arabe, lorsqu'on dit zaka al-mal, zaka al-mal, ça veut dire al-mal est devenu abondant. Il y a plus.
ça a été multiplié. Allah subhanahu wa ta'ala nous promet que lorsque quelqu'un donne, Allah ta'ala il lui donne. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah azza wa jal, il dit à ses ibad, Yabna Adam, anfiq yunfaq alayk. Ou toi, fils de Adam, dépense, donne, sois généreux. Yunfaq alayk, tu verras que tu recevras toi aussi ce que tu auras gagné. Ça veut dire, on dépensera pour toi. Ça veut dire, tu recevras abondamment. Le mot zakat, c'est pour purifier sa personne et purifier ses richesses et aussi pour que Allah Ta'ala nous donne en conséquence, en résultat, en final, Allah Subhanahu wa Ta'ala nous donne une baraka, une abondance, une prospérité, une multiplication dans cette richesse. Et bien entendu, la multiplication, c'est pas tout simplement, c'est pas toujours combien en comptant le chiffre. C'est aussi combien vous pouvez faire avec ces biens et ces richesses. Il y en a qui peuvent avoir beaucoup, qui ne sont pas capables de faire grand-chose avec. Et il y en a qui n'ont pas forcément beaucoup, mais ils sont capables de faire énormément de choses avec. C'est comme s'ils sont plus riches et beaucoup plus riches que les autres qui ne peuvent pas faire grand-chose. La baraka. C'est pas. La baraka n'est donc pas seulement dans le chiffre et la quantité. La baraka, c'est aussi dans la qualité et dans les moyens à partir desquels Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de faire beaucoup plus de choses que d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ. Ils n'ont été en réalité ordonnés que d'adorer Allah. وَمَا أُمِرُوا. Voilà. Ce qui a été l'ordre qu'ils ont reçu, وَمَا أُمِرُوا, ce n'était que ça. Ils n'ont été ordonnés que liya'budullah, qu'ils adorent Allah. Mukhlissina lahuddin, avec la sincérité, leur din, leur culte, sincèrement voué à lui. Ça veut dire, pas chercher les gains et les profits de cette dunya. Ça veut dire, pas vouloir gagner l'estime et la considération des gens au prix de la ibadah. Quelqu'un qui fait ibad et il veut gagner l'estime et la considération, ça s'appelle ria. Un ria, c'est un grand péché en soi. Lorsque quelqu'un fait salat, donne zakat, lorsque quelqu'un fait la charité, lorsque quelqu'un fait n'importe quel ibad, qira'atul Qur'an, zikr, enseigner, apprendre, et il cherche, alors que c'est une ibad, normalement voué pour Allah. Si on cherche en même temps à savoir de la part d'Allah, mais aussi on veut que les gens nous respectent grâce à cette ibad, ça s'appelle riya, et Allah subhanahu wa ta'ala ne donne aucun savoir pour cette ibad, aucun savoir pour cette ibad. Il va falloir que ce soit mukhlissina lahuddin khunafa. Mukhlissina lahuddin, ça veut dire sincèrement purifiant le culte totalement, exclusivement pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Hunafa, bien droit, bien juste. Wa yuqimu as-salat, wa yu'tu az-zakat, et qu'ils accomplissent en salat et qu'ils s'acquittent de az-zakat. Wa dhalika dinul qayyima. Voilà comment elle est la pratique de din bien droit. Salat, zakat, en même temps on se purifie et en même temps on pense aux autres. Et de cette façon-là, ça ne va pas diminuer, ça va augmenter. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ma naqasa malum min sadaqa » Jamais le mal, la richesse, ne diminue à cause d'une sadaqa. Ça ne diminue pas, jamais. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Il y a des choses
je peux le jurer pour vous. Je peux le jurer pour vous. Et dit, alayhi salatu wassalam, jamais l'argent et la richesse ne manquent à cause d'une sadaqa. C'est pas ça qui fait manquer l'argent. Et dit, alayhi salatu wassalam, wa ma tawadda'a 'abdun lillahi illa rafa'ahu Allah. La deuxième, jamais le insan, il est humble à la recherche de l'agrément de son Rab, al-qaboul, al-rida de son Rab, il est humble. Ça veut dire, devant un mu'min, il baisse le regard, il baisse la tête. C'est pas grave, il pardonne. C'est pas grave, lorsque ça touche sa personne, moi capable de pardonner. C'est pas énorme, ça peut passer. Et lorsque l'insan devant le musulman, il est souriant, il est accueillant, il n'est pas arrogant. Il n'est pas en train de le regarder de haut, moi meilleur, moi supérieur. Non, quelqu'un qui est humble. « Wa ma tawadda'a 'abdun lillahi illa rafa'ahu Allah » Jamais le humble, il est humble à la recherche de l'agrément de son Rabb, sans qu'Allah Ta'ala ne l'augmente en darja. Il lui donne des honneurs. L'humilité, la modestie, ça veut dire se montrer faible, même si on n'est pas vraiment faible. Se montrer à la hauteur de n'importe qui, se montrer devant l'homme comme si on était son khadim et son goulam, ça c'est de la modestie. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, celui-ci, il lui donne beaucoup d'honneur et beaucoup d'élévation et de darja. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et jamais le mu'min, il n'étouffe sa colère. Jamais le mu'min, il n'étouffe sa colère alors qu'il est capable de l'exercer. Sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la gloire et l'izz, yawm al-qiyam. Voilà trois choses. Un Nabi alayhi salatu wa salam, il a dit, moi je suis prêt à le jurer devant vous. Et ça c'est haq. Le insan parfois, il croit que s'il n'a pas exercé sa colère, ça veut dire que les gens le prennent pour quelqu'un de pas capable. Et pas qu'ils le prennent comme ils le veulent. Nous, on le fait pour Allah Azza wa Jalla. Et ce n'est pas parce que c'est l'apparence de quelqu'un qui est faible que pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'a pas de conséquences. Ça a beaucoup de conséquences. Son risque et sa gloire, ça veut dire sa victoire, sa gloire, il l'aura d'une manière nette, yawm al-qiyam. Et celui-là qui est humble, il verra les hauteurs qu'Allah Ta'ala lui donne. Et celui qui est charitable et il donne, jamais ses biens vont manquer. Allah Ta'ala lui en donne encore et encore. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a shukr. C'est quoi shukr? Shukr, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, shukr, c'est la traduction. Mais c'est quoi la définition de shukr? Shukr, c'est de ne pas utiliser la faveur donnée par Allah dans la désobéissance à Allah. C'est Allah Ta'ala qui vous donne le regard. C'est Allah Ta'ala qui vous donne la santé. C'est Allah Ta'ala qui vous donne la vie. C'est Allah qui vous donne le corps. C'est Allah qui vous donne la force. C'est Allah qui vous donne l'énergie. C'est Allah qui vous donne l'intelligence. C'est Allah qui vous donne la parole. Allah Ta'ala, tout ce que nous avons, c'est de sa part. Et alors, utiliser cette ni'ma de la part d'Allah dans l'obéissance à Allah et jamais dans la désobéissance, ça c'est choukur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « La in shakartum la azidannakum » Si vous faites choukur, je vous en augmenterai. « La in shakartum » Si vous faites choukur, « La azidannakum » Je vais vous en donner encore plus. Plus vous utilisez la ni'ma dans le haq et vous la protégez de la fausseté, vous la protégez pour dhulm, c'est ça même un shukr. Et celui-là qui l'a protégé pour dhulm, qui l'a protégé pour le haram, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la baraka dans ce qu'il est en train de vivre comme ni'ma. Et c'est pourquoi dans le hadith qui parle des awliya Allah ta'ala, الأولياء الكرام. من الأولياء الكرام؟ ils ont fait quoi pour devenir أولياء؟ est-ce que c'est un héritage؟ est-ce que c'est une vente؟ est-ce que c'est un achat؟ non, c'est un exercice. le ولي هو
Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un qui est capable, avec une volonté ferme, avec une volonté saine, avec une volonté de ibadah sincère, il est capable d'exercer la pression sur lui-même au lieu de l'exercer sur les autres. Il est capable, lorsque les uns sont paresseux et ils vont passer un temps dans les jeux, dans les amusements, lui, il trouve sa joie dans la ibadah. Lorsque les uns n'arrivent pas à donner, lui, il est capable de tout donner. Lorsque les autres ne sont pas capables de faire dhikrullah ta'ala, lui, il se donne un plaisir dans le dhikr pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les uns et les autres ne sont pas capables d'humilité, il est le plus humble de tous. Lorsque les uns et les autres ne sont pas capables de la charité ou ne sont pas capables de telle ou telle qualité, lui, il est à la hauteur de ses qualités. Parce que il se penche sur lui-même, il exerce le sabr sur lui-même, il exerce l'ordre de Rabbul Alamin sur lui-même. Il est en train de culpabiliser au lieu d'accuser. Il est en train de vouloir s'améliorer jour après jour, instant après instant. Il devient Waliullah. Il devient Waliullah. Mais bien entendu, il y a toutes les ibadahs obligatoires à accomplir. Il y a tout le haram à éviter et à s'en éloigner, à s'en garder. Et il y a à exercer le sabr, le shukr, les meilleures qualités pour que ce soit ses qualités. Il les veut à lui avec sincérité pour Allah Azza wa Jal. Il devient Waliullah. Et lorsqu'il devient Waliullah, en exerçant ces qualités-là, parmi lesquelles il y a un shukr, ça veut dire que la ni'ma que Allah Ta'ala lui a donnée, que ce soit l'argent ou le regard, que ce soit comment tendre ou comment marcher ou comment toucher avec sa main, ça c'est des ni'ma. Tout ça, il l'a préservé de l'haram et il a fait choukr avec Allah Ta'ala lui augmente. Et ça donne des karamas dans sa main. Ça donne des karamas quand il est en train de faire des pas. Ça donne des karamas en regardant. Ça donne des karamas en écoutant. Ce n'est pas n'importe quelle écoute qu'il a avec Allah. Et c'est pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ittaqu firasat al-mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah ». Méfiez-vous du regard d'un mu'min, ça veut dire kamil. Il regarde avec un nour de la part d'Allah. Il s'agit d'un regard puissant où il est en train parfois de savoir qu'est-ce qui est caché dans le cœur et qu'est-ce qui est caché derrière. Et c'est pourquoi le hadith des Awliya, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte ce hadith Qudsi, où Allah azza wa jal, il dit « Man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb » Celui-là qui est ennemi avec un de mes awliya, il est en train de me faire la guerre. Je le préviens, il est en train de me faire la guerre. Et il dit, Rabbul Alamin dans ce hadith Qudsi, qu'il s'agit de quelqu'un qui a fait les obligations, il s'est éloigné du haram, et en plus il a fait beaucoup de ibadah nafila, sunan, il a augmenté beaucoup, et puis après il dit, Rabbul Izzah dans ce hadith Qudsi, fa'ida ahbabtu, une fois qu'il a gagné mahabbat, lorsqu'il a gagné la mahabbat de la part d'Allah Azza wa Jal, ça veut dire qu'il devient Habibullah, Allah Ta'ala lui donne son mahabbat, il est wali. Il dit, Rabbul Izzah, dans son hadith Qudsi, Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Je serai celui qui donne soutien à son oui, avec laquelle il entend. Comment soutenir? Soutenir, ça devient karara. Et c'est la préservation, ça veut dire, il le protège de l'haram. C'est pas la question de la protection d'une maladie. Waliullah kum malade. Les abdiyah kiram souffrent de maladies. Ça peut arriver, ce n'est pas ça qui est la préservation voulue. La préservation voulue, c'est la préservation par rapport à ce qui est saleté. Qu'est-ce qui est saleté et déshonneur? C'est le haram. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Je serai celui qui soutient son oui. Ça veut dire, je soutiens et je préserve le haram et des saletés et des mauvaises qualités. Et je soutiens en lui donnant karam. Je soutiendrai sa vue, préservation de l'haram et des saletés, et donner karam. Il dit en Qur'an,
bénira. Sa main par laquelle il touche et il fait. Ça veut dire je soutiendrai sa main. Wa rijluhu allati yas'a biha, et son pied avec lequel il marche. Ça c'est soutien de Allah Azza wa Jal. Soutien en deux domaines particuliers. Domaine préservation de l'haram et des saletés, parce que c'est ça qui importe. Pas la protection par rapport à une maladie. Non, c'est pas ça. C'est pas salissant, c'est pas désodorant la maladie. Deuxième, soutenir, lui donner karama. Et comment il a gagné cette multiplication de baraka et de force et d'énergie en cela? C'est parce qu'il a préservé. Préservé ses organes qui sont ni'ma de la part d'Allah Azza wa Jal, avec choukour, il les a préservés de l'haram. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ittaqil maharim takun a'bad al-nas ». Méfie-toi, écarte-toi, garde-toi de ce qui est haram, tu seras le plus adorateur de tous les gens. Quand tu te préserves de l'haram. À comparer quelqu'un qui fait ibadah et qui fait nafila et qui ne se garde pas des péchés. Et un autre qui fait des ibadah obligatoires, pas beaucoup de nafila, mais il se garde de tout haram, celui-ci est meilleur. Parce que un péché, un seul péché, qu'on n'en veut pas, on s'en garde, c'est meilleur qu'une nafila accomplie. C'est pas pour dire que vous ne faites pas nafila. Celui qui fait nafila, ça va l'aider à s'éloigner de haram. Et à zakat, c'est aussi pour nous purifier. Et c'est ça qui fait les choses. Un des grands ulama dans l'époque, il s'appelait Abu Shuja. Cet homme, il a dépassé un siècle, mais largement. Et certains ulama disent qu'il a vécu presque deux siècles, si ce n'est pas plus. Et jusqu'à la fin de sa vie, sa vue était forte. Il entend bien, il marche bien, il a toutes ses forces. On lui a dit, mais comment tu peux faire tes dents, tes yeux, tes oreilles, ton énergie? Il a dit, حَفُضْنَاهَا فُصُّرَةً. Nous les avons protégés quand on était jeunes. فَحَفِضَهَا لَنَا فِي الْكِبَرِ. Et c'est lui, Rabbul Izza, il nous les a protégés quand on était à l'âge de vieillesse. Al-Izz, la gloire, c'est dans l'humilité pour Allah Azza wa Jal et on fait confiance. Et c'est Allah Ta'ala qui donne. Lorsque l'insan, il donne al-zakat, il répond à l'appel de Rabbul Alami. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'ordonne, donc c'est une obéissance et c'est une humilité envers son Rabb. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Sayyidina Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il a dit que les appels à croire en la ilaha illallah et que je suis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. S'ils obéissent, tu leur dis qu'Allah ta'ala leur ordonne 5 salats par jour. S'ils obéissent, tu leur dis qu'Allah ta'ala leur ordonne zakat dans leur gain et leur richesse. On prend de leur richesse et on donne à qui? Alors, pauvres. تُبْخَذُ مِنْ أَغْرِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ. Ça veut dire, il ne s'agit pas d'argent qu'on va gagner nous. C'est quelque chose qu'on prend de vous, richesse, et qu'on donne aux pauvres parmi vous. Et c'est pourquoi aussi, les ulama disent que tant que vous avez des pauvres dans les environs, n'envoyez pas votre zakat à l'étranger. Si vous en avez ici dans le quartier, n'envoyez pas à quatre bornes ou ailleurs. Si vous en avez dans les environs, vous ne pouvez pas l'envoyer à l'étranger, à quelques exceptions près. Et ça, c'est une règle connue. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous prouve le du'a de notre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il y a à l'époque de Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala, il y a eu une confusion. Il y a des gens. Ils ont vu le wafat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit donc, ce qu'auront donné zakat à Rasulullah alayhi salatu wa sallam, pas capable de donner ça à Abu Bakr radiallahu anhu ou à quelqu'un d'autre. Parce que Allah ta'ala a dit, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقًا. Prends de leur richesse une sadaqa, c'est la zakat. تُطَهِرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Par laquelle tu les nettoies et tu les purifies. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. Et fais dua. Une salat de ta part, ça veut dire dua de honneur et de maghfirah. Inna salataka sakanun lahum. Ta salat en leur faveur, ça veut dire ton dua pour eux, sakan, une sérénité pour eux. Et alors, ils ont dit, ça c'est un ordre à Rasulullah alayhi salatu wa salam. Mais en fait, ils n'ont pas compris une chose.
que le Nabi alayhi salatu salam, même après sa wafat, il fait dua pour ceux qui donnent zakat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et qu'il nous augmente, et qu'Allah ta'ala nous donne la sincérité et le amal, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse gagner le dua de notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam.